amis, c'est MMC Nathan. Aujourd'hui, on se retrouve dans sur Extreme Trucker 2. On transporte des pousse-pousse motorisés. Hein, je vais appeler ça comme ça, hein, appelez-le comme vous voulez. Je vais appeler ça comme vous voulez, hein, des camions. Hein. Avec, comment dire, avec un espèce de Volvo là. Qui a l'air d'être pas très bien. Donc on est parti. Bon. Là on se trouve en Inde. Et merde, en plus je... ça me plaît pas là. Du coup. Y'a pas vu. Déjà volant à droite. Tout à droite. Et des pousse-pousses motorisés. Oh, non, je vais faire ça. Je suis collé au... Non. Bon, là, je sais même pas où je dois aller. Je crois que c'est à l'opposé où je dois aller. Ouais, je dois aller à l'opposé. C'est pas bien. On s'en est fait là. Si on peut. Donc voilà, aujourd'hui nous nous trouvons en Inde. Il y a au Tibet, je pense. Non, le Tibet c'est pas là. Je dis quand même. Le Tibet c'est en Amérique du Sud. Mais j'ai fait mieux. Bon. Donc voilà. C'est bizarre, je me rappelle pas de ça. Pourtant je suis déjà allé sur ce bas. C'est sûr, je suis déjà allé dessus, mais ça me dit. Bon, donc on va dire que ça me dit quelque chose, hein. Même si pour l'instant ça ne me dit rien. Ça me dira quelque chose plus tard. Donc voilà. Bon, ce jeu est pas trop mal. Voilà, il y a encore quelques aspects graphiques qui sont pas terribles, mais bon. Ouais, c'est pas un jeu tout jeune, il a... je sais pas combien de temps. Il doit avoir 6 ans, un truc comme ça. Il a tout cassé. Oh là, c'est pas vert. Donc voilà, il doit avoir 6 ans à tout casser. Putain, le pousse-pousse, il me fait tout ralentir. Là. Si vous savez, dites-nous dans les commentaires comment s'appelle cet engin, parce que franchement, moi, j'appelle ça un pousse-pousse motorisé. Je sais que les Chinois en ont produit une il n'y a pas longtemps. Bon, ça fait aussi une dizaine d'années. Chose qui me pensait impossible. Que en 2004, il me semble. Ouais, bah, ça fait 10 ans. Une fois. En gros, ils produisent un véhicule comme ça. En 2004. J'ai vu ça à la télé et j'ai cru que je devenais fou, quoi. C'était pas possible. Quoi. Mais bon, ce que j'ai compris c'est possible, mais c'est l'une des seules voitures que les Chinois ont fait sans copier sur d'autres marques. Donc voilà. Et c'est pour peut-être, je sais peut-être comment certains nous l'ont fait. Nous y sommes là-dessus. Mais bon, ça va pas très vite, hein, ces gens-là. Non, si je me rappelle bien, c'est un monocylindre et en plus le moteur est sous les sièges. Sous le siège passager. Bon, ils sont tous des fous, ouais. Ils ont foutu un moteur à pondeuse dans une voiture. Ouais, parce qu'en plus, ils me font que ça va pas tirer sur la vie.
Donc comme vous voyez, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Vu qu'on voit le point d'arrivée sur la map à droite. Est-ce que je passe? Bien sûr je passe. Allez, pousse, pousse, dégage. C'est vrai que les Chinois, s'ils ne comptent pas sur deux véhicules déjà existants, ils sont un peu à la traîne. Mais après, si tu n'es pas chinois, hein, c'est très bien. Je sais pas. Je sais qu'en en Europe ou aux États-Unis, il y a déjà eu une voiture comme ça, mais c'était il y a 60 ans, non pas 60, 40 ans, 45 ans. J'ai vu ça dans un musée de l'auto. Avec mon lycée, comme j'étais encore à l'école. Même si ça fait pas très longtemps que j'y suis plus, mais bon voilà. J'ai failli toucher. Donc voilà, si ce jeu vous plaît pas et que vous voudriez voir plus de, je sais pas moi, Farming Simulator ou de Euro Truck ou de... Donc voilà, si vous voulez voir plus un peu plus de ça, dites-le nous dans les commentaires. Une demi-heure? Je suis allé vite dis donc hein. Donc voilà, c'était MM Simulator en Inde. T'as vu, c'est joli l'Inde. Hein. Je sais pas qu'ils avaient des bâtiments comme ça. Hein, hein. Non, je sais pas. Non, c'est vrai qu'on n'est pas en Inde, nous, mais bon. J'ai trouvé ce paysage très joli. Ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu. Bien, je me rappelle pas y avoir été, mais bon. Voilà, on va vous laisser là-dessus. C'était MM Simulator. Et à la prochaine. Tchou.